Vous savez que j'ai failli me faire engueuler par Pierre Bénichoux qui vient d'arriver en retard, comme d'habitude. Évidemment. Alors que j'invite Sophie Davant pour lui. Il s'installe pendant le générique, je lui fais signe de mettre son casque et c'est moi qui me fais engueuler. Incroyable. Vous êtes quand même gonflé, Pierre Bénichoux, je vous signale. Oh, j'aimerais bien être plus gonflé que je ne le suis. Je suis à la limite du dégonflage. Non, et franchement, vous rendez compte un peu de la mauvaise foi que vous, de votre personnage. Ah oui, monsieur. Personnage. Ça, pardon. Personnage, c'est vraiment lui. Moi, je le connais personnellement. C'est mon ami. Il n'a même pas eu le temps ami, de. Ami avec vous, la grosse, là. Moi, jamais. Alors, excusez-moi. Alors, vous faites des blagues sur mon soi-disant bon point, mais celui qui a les boutons de la chemise défait. Justement, j'allais proposer c'est vous, de monsieur lui attacher les boutons. Parce qu'il, c'est un piège, il va pas, Sophie, c'est un piège. Bon, à ce point-là, je peux me permettre. Mais oui, bien oh là, sûr. Mon Dieu. Oh là, ça commence oh bien. Là. Oh là là, Sophie Davant est en train de reboutonner Pierre Bénichoux. Eh oui. La chemise, hein, c'est précis. C'est très agréable. Et c'est les boutons de la braguette qui ont craqué maintenant. Oh, c'est très agréable, mais c'est moins agréable que le déboutonnage. Ah. Non, merci. Est-ce qu'il a mis son damar? C'est marrant, elle devient auxiliaire de vie maintenant. Bon, écoutez. D'habitude, elle fait le matin, je savais pas qu'elle faisait le crépuscule aussi. Qu'est-ce qui vous plaît chez Mme Davant? Vous la regardez le matin? Si je la regarde. Bien sûr. Vous la regardez là, l'après-midi aussi parfois parce que non, jamais, jamais. Ah non, non, que le matin. L'après-midi, j'ai des copines. Le matin, non, parce que l'après-midi, j'ai surtout. Rex. Armel Boulinstar, comment on s'appelle? Boulinprat. Oh, qu'est-ce qu'il est bien, ça. Chiffrez les lettres. Hein, vous avez. Hier, pour la première fois, je l'ai vu en pied. Ah oui? Bonjour les jambes. Hein. Oh la vache. Bah, elle a des jambes. Ah, mais elle, on n'en voit jamais ses jambes. Mais bah, si, quand elle faisait la météo, on voyait ses jambes quand même. Bah, oui. Bah, je me souviens pas que tu aies jamais fait la météo. Bah, il y a longtemps, hein. C'était au siècle dernier. C'était très très longtemps. Et puis, regarde au-dessus de la Loire. Mais non, moi, j'ai fait la météo à Radio Alger avec El Kabach. Il était viré d'ailleurs. C'est votre genre d'homme, monsieur Bénichoux, Sophie Davant? Oui. J'aime bien les hommes avec une certaine maturité. J'aime ce oui de politesse. Non, mais j'aime les maturité. Hommes matures. J'aime les hommes matures, j'aime les hommes intelligents, vifs et drôles. Voilà, pour moi, intelligent, pour vif et drôle, ça va. Non. Mais mature, pas du tout. Mature pas, mature beaucoup, vous. Vous maturez énormément. L'humour et le charme comptent avant tout. Voilà. Donc je ne suis pas très, très attachée au physique, moi. Alors c'est gentil pour Pierre. Mon physique, si j'aurais su, je l'aurais pas amené. Alors. Non, mais il est beau quand même. C'est pas parce qu'il est drôle, intelligent, vif. Oui, oui. Riche. Et jeune. Ah, il est très élégant avec son petit costume. C'est pas un petit costume. C'est du tweed. Et c'est pas un petit costume, c'est un costume comme tout le monde. Un costume dans le sens où il est cintré, un costume à quatre briques, normal, quoi. Cintré, vous trouvez qu'il est cintré? Vous parlez du costume ou du... Cintré, ça veut dire qu'il vous prendrait la taille en regardant. Non, mais est-ce que vous pouvez vous lever? J'ai encore je vois ça mieux. De plus... Non, dis-le, plus quoi. Enfin, ça n'a rien à voir avec le costume. Arrêtez. C'est trop, me disait-il, c'est trop de la moitié, je ne mérite pas de vous faire pitié. Oh, en plus. Hein. Magnifique. C'est Tartuffe, c'est rien. Tartuffe. Où est ma cravate?